roller to the mother let her go. So and I will love my friend. I'm free, I'll have her again. Travail pour toi. Ah bon? Un truc pour te faire du gros cash. Come along and walk with me. Et puis pas d'erreur. Tu te concentres et tu le rates pas. Compris? Ok, je vais essayer. Mais le problème, c'est que je sais pas tirer. Là. Tu es un homme. Ça au moins ça de la gueule. Igoridi a sillonné quelque temps cette terre. Il a fait le bien et le mal. Et moi, Jean-Marc Thomas, ancien footballeur, je vais mettre un terme à son parcours. Pour de l'argent. La vie d'Igoridi contre mon loyer, ma nourriture, ma facture d'électricité. Well, come along and walk with me and learn the songs that lovers sing. Je disais à Mélanie qu'on aurait tout le temps de se marier quand ma carrière s'arrêterait. À ce moment-là, les choses étaient tellement faciles, je remettais tout au lendemain. On voyait ma tête dans les journaux, j'avais de l'argent, j'avais le sentiment de tout contrôler, le présent, l'avenir, enfin tout. Et au bout du compte, je connaîtrais jamais Mélanie dans sa robe de mariée. Jamais. Well, come along and walk with me and learn the songs that lovers sing. When they bleed. To the mother let her go. So him and I will. What's your name? Benoît Gondeau. I'm here for a conference. I work for Bellem Insurance. Are you French? Yes, I'm French. Have a good day, sir. Yes. I hope the rest of the seminar goes well. Thank you. Mr. Gando, listen, my shift just ended. I was wondering if you'd let me buy you a drink. Right now? But only one. I have to be up early for my conference tomorrow. I'm Kate, by the way. Or Officer Logan, whatever you prefer. Are you married? Yes. Town. I'm leaving Sunday. Hi, how's it going? I'm sorry, but I don't think we should see each other again. You cheat on your wife often? No, never. You want to hold it? Give you a taste of what it's like to be on duty. No, I'd really prefer not to. Come on, it's a 10-17. That's when you shoot. Pow! Merde! I can't believe you just did that! You're gonna know that it was from my gun. Yeah, just explain what happened. Back. Whoa. I'm not going anywhere. Officer Logan is not at home. We have no way to reach her. What do you think? And she's probably in danger. It was just an accident. You tell them that and I lose my job. That's your problem. I'm gonna tell them that we also had sex, which I'm sure your wife will be thrilled to hear. They make me feel like I'm in an American movie. Superbe ce soir. Cette robe vous va très bien. Vous êtes vraiment superbe ce soir. Toi, ta gueule!
cette section. Alors tu fais ce que je dis et tu te la fermes. Allez, on avance. C'est ça, c'est bien, comme ça. Un peu plus quand même, là, je vois pas tout, là, je vois pas tes seins, là. C'est des beaux tétons, ça, vas-y, encore un peu, ouais, ouais, c'est bien, ça. T'as des cuisses, toi, ouais, t'as vraiment des cuisses. Je dors plus, je suis incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'arrive plus à communiquer normalement. Et je sais pas comment faire pour me sortir de cet état. Ça va? C'est une amie de ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Je traverse au milieu de la rue, je l'ai pas vu. Aurélie, Aurélie, réponds-moi. Aurélie. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé d'Aurélie morte dans sa tombe. Tu le savais, les mecs. Et c'est bête parce que si elle était partie 10 minutes plus tard, ce serait pas arrivé. C'est moi qui l'ai obligé à partir précisément à ce moment-là. J'ai des flashs d'Aurélie qui me regardent avant de mourir, là. C'est insupportable. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrête, tout le temps. Arrête. Mais ça fait chier. Merde. Hé, oh là. J'essaye de t'aider, mais tu me laisses pas t'aider. Je l'avais dans les bras. Et elle m'a regardé. Ça a duré plusieurs secondes. Et ses yeux... Bah, ses yeux se sont vidés. Et c'est ce regard que j'arrive pas à oublier. À la prochaine séance, nous pourrons aller encore plus loin. Une expérience de communication après la mort. Je préfère pas trop vous en parler. Le mieux, c'est de vivre l'expérience sans trop savoir en quoi elle consiste. J'ai pu voir Aurélie, lui parler. J'ai même pu la tenir dans mes bras. Je comprends pas ce que vous me dites. Elle m'a chargé de vous dire qu'elle va bien, qu'elle est heureuse, et qu'elle est désolée d'avoir traversé la rue sans faire attention.